Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Essential Coloriage. Aujourd'hui, on est là pour la série de crayons économiques numéro 2. Ah oui, fait que là, j'ai sorti mon Faderable, j'ai mes crayons à côté, j'ai le nuancier et c'est les Amazon Basic. J'ai eu tellement de requêtes, j'ai hâte de voir, tu sais pas, requêtes mes commentaires, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire. J'ai hâte de voir si t'aimes ça, comment ça se transporte sur le papier. Fait que je dis, OK, on y va avec celle-là en deuxième. Fait que j'ai choisi ce colo-là. J'ai mis mes crayons dans mon trousse décalé 72. Et on va choisir nos couleurs pour faire les petites, la dernière, cette, la petite poupette. Fait que pour le pot, on va aller avec le. Je vais mettre sur le pot, je vais choisir, puis je te reviens. OK, me voilà de retour avec les crayons. On va aller avec le... On va aller avec le 518 blush, le 520 cream beige et le 519 flesh. Là, j'ai pris les suggestions. J'ai un petit carton avec les couleurs. De la plus foncée au plus pâle. Fait que là, on va commencer avec le blush 518, le premier sur le carton. Puis, je vais faire les petits ombrages sur les épaules, puis en dessous le cou. Tester ça, ces crayons-là. Là, ça glisse bien, mais je sais pas si ça va être couche par couche, si ça va marcher avec mon style de coloriage. Aucune idée. Là, je prends le Cream Beige 520. Ça va être ma couleur moyenne. Et le plus pâle, qui est le 519 Flesh. On a compris. Moi, je trouve ça glisse bien. C'est pas impressionnant, on s'entend. Hein? C'est dur un petit peu. Si je te dirais quelle sensation j'ai aimé plus à date, je dirais... je sais pas, c'est trop tôt pour dire, mais à date, je sais pas si je l'adore sur le papier Amazon. On va savoir avec le temps. On va reprendre toutes les couleurs. On va prendre le blush. Je vais rehausser mes ombrages. On va reprendre le 520 cream beige. Les ombrages. Puis on va prendre le dernier. On va faire une dernière petite couche. J'essaie de voir, les fils de tout le monde, c'est différent, mais à date, je dirais, c'est pas mes préférés. Ouais. Écoute, j'ai fait un parti, hein. On va faire toute la peau ensemble. Fait qu'on va commencer par le visage, on va descendre. On va prendre le 518 blush. Et on va les rentrer. Tout ce qui devrait avoir l'ombre. Comment sur le nez, en sur les petites lèvres, le menton. Moi, j'aime ça mettre en sur les yeux. Mettre un petit peu sur ses paupières, même si je vais retourner après. Sur les sourcils. Puis toute la ligne de cheveux. Fait que je vais tourner légèrement mon livre pour faire la ligne de cheveux. On va mettre le carton comme ça. Comme ça, tu peux le voir. Je vais être sûr que tu le vois. Tiens. On ne la voit pas en tout. Mais on va y aller là parce que je fais que la ligne des cheveux. C'est légèrement un petit peu plus dur à travailler que. Les Mukujo semaine passée. Mais c'est pas détestable. Mais ils sont plus durs, je trouve, un petit peu.
Mais si tu aimes couche par couche, d'après moi, tu vas les aimer. Là, on va prendre la 520 beige. Cream beige. On va extensionner nos ombrages. On va la tourner une dernière fois pour la ligne de cheveux. Comme ça. C'est temporaire. Il va revenir le petit carton. Je vais juste éloigner les ombrages de les cheveux, mais en exténuant. OK. Fait que là, on va aller finir le visage. Je vais remettre mon petit collant, mon petit papier pour collant. Puis on va finir les ombrages. Tout ici. On va passer sur les yeux. Ensuite, les sourcils sont pas mal faits, mais on va quand même passer un petit peu. Toujours les mêmes places. Hein? OK. Donc là, on va prendre la flèche, la 519. Et on va remplir le visage avec ça. OK. La 519 flèche reset. Tu me diras si tu aimes ça avec les petits papiers. Parce que moi, je peux les faire, là. Faut juste que je sache d'avance si t'aimes ça ou si tu trouves que c'est inutile. Peux-tu me laisser savoir qu'est-ce que t'en penses? Donc là, on a des marqueurs alcool à bas prix qu'on va pouvoir mettre aussi dans les livres, mais pour le moment, je veux juste faire des crayons. Mais des fois, pour les backgrounds, quelque chose, ça va être commode. Je suis en train de regarder pour poigner des pastels secs OUU. J'ai les Mangio, mais c'est parce que les pastels secs OUU, eux autres, ils ont les noms puis des numéros. Donc pour faire ça, ça serait bien, je pense. Là, si t'aimes cette série-là, assez que je continue, puis je ramène plein de crayons et tout. Je trouve le visage pâle. Je vais retourner. On dirait que j'ai misère à sortir la couleur de ce crayon-là. On va aiguiser. Fait que toujours la flèche 519, puis on va essayer de la faire sortir un peu. Mais moi, je suis pas un coloriste de couche par couche. Fait que je te dis juste mes opinions. Toujours mon opinion, mon ressenti, tout le monde, c'est différent. Moi, ces crayons-là, j'en avais entendu plein de chaînes américaines, anglais, d'Angleterre et tout. Puis, parler de ces crayons-là. Et je voulais tester. Mais oublie pas, Astor, les Amazon Basic, tu peux les avoir sur Amazon France. Avant, on ne pouvait pas. OK, fait que ça, c'est bon. On va faire les mains ici. Les deux mains. Mais je vais en faire une, puis je vais te laisser. On va faire les deux vite fait. Puis après ça, je vais aller choisir d'autres couleurs, préparer d'autres cartons, puis je vais revenir après. Mais on va finir les mains ensemble. C'est tellement pas long. Parce qu'ils sont tellement pas gros. J'avais ce livre-là, pas le gros, mais le cute and creepy en miniature. Je vais te dire franchement, là, c'était quasiment pas colorable. Là, on prend le dernier, le flèche 519. Les deux autres, c'était comme dans l'ordre, comme avant, sur le papier. Il faut juste que je souvienne de mettre le papier dans l'écran. Hein? OK. Voilà. OK. Le pot est fait. On va regarder ça. Le pot est fait. Là, je vais aller choisir la couleur des cheveux ici en haut. Puis je pense qu'on va faire ça en deuxième. Ouais, ça va être les cheveux en deuxième. Faut que je te mette ça pause. Je te reviens avec ça. OK. Mais voilà, j'ai choisi mes couleurs, j'ai fait mon petit carton. Fait que les couleurs vont être le 568 Dark Gray, 528 Purple,
et le 527 violet dans le fond. Et on va sortir ma petite carton, on va le mettre ici. Fait que tu peux le voir. Et on va commencer ça tout de suite avec le 568 Dark Gray. Avec ses cheveux, je vais commencer ici. Pourquoi pas? On va le mettre ici. Hop. On va le faire juste ici. Ça va être un bandeau que je vais prendre du stylo gel pour le faire. On va mettre le. On sait où est-ce qu'il y a les ombrages. Hein? OK, on va faire ça. Après ça, je vais prendre le 528 Purple et extensionner mes ombrages. Et celle-là, je trouve qu'il va mieux. Et le 527 Violet, puis on remplit les mèches. Là, je pense pas que je vais faire une luisance comme l'autre. Avec le blanc en dessous. Je pense que je vais juste mettre ces couleurs-là. Donc, on va prendre encore le 568. Je vais faire un bout, puis après ça, je vais finir ça moi-même. Les cheveux. On va voir, là. Ça, c'est en arrière. Cette mèche-là, il est en arrière de lui. Il faut qu'on fasse du ombrage ici. Pour essayer de la faire paraître comme ça. Oups. Là, on va prendre le 528 Purple. Et on va continuer l'ombrer. Comme ça. Voilà. Et on va finir avec le 527 Violet. Je sais pas si vous êtes assez proche. Je vais te rapprocher un petit peu. Peut-être comme ça. Mieux. Ça a l'air plus mauve en vraie vie. Sur la caméra, ça a l'air bleu. Mais en vraie vie, c'est une petite mauve. Assez fin. Moi, j'aime ça, en tout cas. OK. On dirait qu'il est plus dur à cacher le blanc. On va essayer de prendre son blanc en lui. Un petit peu. C'est lui, ça. On va prendre. On va voir. On peut-tu aller un petit peu avec le blanc? Ça va-tu changer de quoi? Ah oui, ça le rend pas mal plus lisse, le blanc. OK, je vais rajouter blanc à la fin. Pas que ça va paraître si on colore dessus, mais c'est le 501 white. Ça, c'est la fin pour laisser tout. Faut qu'on va continuer notre petit combo. On va voir si. Je vais décider si je continue avec le blanc ou non, mais je trouve que ça aide à cacher la graine du papier. J'aime comment ça lisse. Fait que. On va voir. Je vais faire une dernière petite mèche. Ici, les deux là, là. Ou lui, parce que je sais que lui est en dessous, là. Puis après ça, je vais aller finir par moi-même ces affaires-là. Puis je vais revenir. Je sais pas si ça va être aujourd'hui ou demain dans mon temps. Mais ça va être à quelque temps. Ça, c'est sûr, je vais continuer ça. Je vais essayer de finir ça. Parce qu'aujourd'hui, on est jeudi, là. 19, je pense, octobre. Je vais essayer de sortir ça semaine prochaine. Donc là, on va relaisser avec le blanc. Ça, le blanc aide à le rendre ça plus lisse. J'aime beaucoup ça. Puis ça exténue légèrement la couleur. Ça le rend un petit peu plus pâle. Donc, voilà, je vais aller. OK, un petit peu en haut. OK. Fait que là, on va faire ce petit bout qui s'est sur le côté.
On prend le plus foncé qui est le 568 degrés. Mettre où ce qu'il y aurait de l'ombrage, suivi du 528 purple. On prend ensuite le 527 violet. Violet. Et on lisse avec le 501 blanc. Ouais, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Et moi, je vais continuer. Où est-ce qu'il y a les books? Comme ici, c'est un book. Puis je vais faire le petit book avec toi. On prend du ombrage. On va essayer de le mettre où est-ce que ça tourne. Parce qu'on s'entend que ça twist, puis ça fait tout. Là, on va prendre le 528 de purple. Puis on va suivre où est-ce qu'on a mis le dark gray. On prend la violette. Puis on remplit ça. 527 violet. Et on va lisser avec le blanc. Le 501 blanc. Wait. Et voilà. Ça, c'est comme ça. On fait les boucles. On va faire un autre set. Mais là, je vais faire à côté aussi taillette, là. Ok. On va mettre les ombrages. Comme qu'on pense que ça devrait être avec un petit frisonnette. Une petite boucle de cheveux. Donc ça, c'était le 568. Là, je prends le 528 purple. Puis on extensionne l'ombrage. De partout où ce qu'on a mis. Et on va le remplir avec le 527 violet. Non, mais je les aime quand même assez bien. J'étais pas sûr tout à l'heure, mais à force de les prendre, je les déteste pas. Puis on va laisser tout avec le 501 white. Je pense qu'il va y avoir un petit peu de marqueur alcool sur la page aussi, mais je vais prendre les pochards que je viens de montrer, les Mazrock. Je les ai achetés pour ça, parce que c'est dans le budget de tout le monde. Je trouvais que ça marchait bien. Encore un petit peu de blanc, faut que je vais compléter mes ombrages. Voilà. OK. Fait que ça va être pour aujourd'hui. Je vais aller finir tous ces cheveux. Et je vais te revenir. Fait que ça tardera pas trop. OK. Me voilà de retour pour vous autres. C'est un second, mais pour moi, ça fait quelques semaines. J'ai terminé les cheveux avec ces couleurs-là. Et là, on va continuer la robe. J'ai choisi mes couleurs. J'ai le, comme plus foncé, le Prussian Blue 529, toujours Amazon Basic, on s'entend. Le Light Kingfisher Blue 534. Et le Light Blue 535. Ils sont toutes notées sur le petit carton. Je vais vous rapprocher un petit peu. Puis on va faire la robe. On va commencer avec la manche ici. Il faut que je prenne le Prussian Blue 529. Et en fait, là, où est-ce qu'il y aurait les ombres, hein? Comme à l'habitude. Je commence avec le Prussian Blue. Je ne sais pas si je l'avais dit, faut que je le répète. Je le sens au cas où. Voilà. Mettre ça, c'est du tissu aussi. Là, on va aller avec le Kingfisher Blue 534. Je ne sais même pas pourquoi je lis sur le crayon. C'est écrit ici. Fait qu'on y va. Où est-ce qu'il y a de l'ombrage? Encore un petit peu plus loin, cette fois-ci. Fait que c'est la couleur dans le milieu. Voilà. Et le plus pâle, qui va être le Light Blue 535. Puis on le remplit. Le manche. Je t'avoue, franchement, je ne sais pas comment, quoi penser sur les crayons Amazon Basic. Je les trouve bien, mais en même temps, je les aime pas. Je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être le papier. Fait que moi, je vais les retester sur du Gibbs Smith. C'est sûr.
Mais pour dire tout de suite, j'aimais mieux les autres sur le papier Amazon. Pas qu'ils sont mauvais, mais les autres étaient mieux. Il y en a des gammes mieux que ça, maintenant. Voilà, on va là. Et pour certains, ah oui, j'ai dépassé légèrement. Mes mains sont pas bonnes aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Rien qu'une petite lisière là, puis je n'essaierai pas de l'effacer parce que ça va faire plus de dégâts assez de l'effacer que la laisser là. Fait que voilà, on va continuer. Je vais faire un petit preset parce que toute sa robe va être ces couleurs-là. Fait qu'on va faire ici. Ça, il va avoir un petit peu d'ombre parce que c'est quand même un relief, tu sais, du brocade ou quelque chose. Fait que ça va laisser une légère ombre, pas énorme, mais c'est quand même là, tu sais. On va faire ça. Toujours les mêmes couleurs, on s'entend. Voilà. Excusez. Je n'ai rien, je mets pas où j'ai oublié. Je suis un petit peu nerveux, j'ai rendez-vous téléphonique tantôt que j'ai pas très hâte. Fait que j'aimerais mieux filmer pour avec vous autres pour ça. Donc là, on va continuer la robe. J'aime ça, cette série-là. Même si je suis en retard dans mon filmage, là, j'avais hâte de continuer. J'ai hâte de tester mes autres. C'est vraiment un plaisir de faire ça. Donc voilà, la petite robe est faite. Là, à ma côté, je vais faire un petit bout ici que tu vois. Tu sais, qu'est-ce que ça va faire? Parce qu'on va le finir. Je vais le finir hors caméra. Puis dans le fond. On met l'ombrage jusqu'on pense que le tissu va plier. En fond. C'est ça que moi je fais, c'est très simple. Je mets tout ce que je pense que ça va être, les ombrages. Voilà. Et ici, en dessous, il va en avoir là, ça c'est sûr. Comme ça. Ici. Et ici. Voilà, comme ça. Ça, c'était avec mon Prussian Blue. Excuse-moi, j'ai oublié de les nommer. Mais ils sont quand même sur le papier, mais quand même, tu sais. Ensuite, avec le Kingfisher Blue. J'ai assez quand même de les noter, tu sais. Si on trouve comme là, je trouve que Storm ici, il n'est pas assez. Puis je retourne avec le Prussian Blue pour l'augmenter. Okay. C'est à nous autres à décider à quel point qu'on veut les ombrages. Comme ici, je sais qu'il va être trop petit ici. Je vais l'augmenter tout de suite. Tiens. C'est vraiment comment que nous autres, on veut que ça soit. C'est vraiment nos choix à nous. Fait que tu décides si tu veux avoir beaucoup d'ombre, pas beaucoup d'ombre, c'est vraiment toi qui décides comment tu veux faire ça. Voilà. Et là, on prend le light blue, puis on remplit tout ça. Grosso modo, on le fait avec le reste. Tu me dirais comment tu trouves ça avec les cartons, là? Je prends des pauses parce que mes mains sont engourdies aujourd'hui. Mais ça, vous êtes habitués. Fait que tu me dirais comment tu si t'as mieux ça avec les petits cartons. Comme ça.
C'est si oui, je peux continuer à faire ça dans tous mes colorions ensemble. Pour tout ce que je prends. Comme là, j'ai pas écrit Amazon Basic parce que c'est une vidéo de. On teste Amazon Basic, là. C'est quand même assez pigmenté, pareil. Fait que je suis vraiment en deux. Je sais pas. Des fois, j'aime ça. Des fois, je les aime pas. Sont pas secs. Ils grattent pas le papier à rien. Fait que je sais pas, tu sais. Fait que ça, c'est le robe. Ensuite. Je vais-tu faire d'autres, puis je vais revenir. Non, je vais finir le rap, je te reviens. Ça va être pas long. Me voilà. Je vais juste faire un remarque pour le bas de sa robe ici. Je prends le Prussian Blue pour les ombres et je le remplis avec le Kingfisher Blue. C'est tout ce que je fais pour le bas. Je voulais pas qu'il ait l'air exact comme le reste de la robe. C'est ça que j'ai fait. Puis je vais aller finir ça, puis je vais te revenir avec les prochaines couleurs. Me voilà, le robe est fini. Il va nous rester des retouches à faire. Puis je veux le faire en fais attention quand tu fais ça. Prends ta brosse parce que j'ai un petit peu de bleu sur mes minous, mais ça ne change rien. Il va être foncé tantôt. Là, on va faire les pierres. Donc, on va commencer par lui ici, le plus gros. On va te rapprocher. Voilà. Comme ça. Et les couleurs qu'on va prendre, je vais les mettre ici. C'est le plus foncé, le Warm Gray 566. Je ne sais pas si tu l'as vu, je vois cette Warm Gray 566. J'ai mis à te montrer, mais ils sont écrits. Le Silver Gray 565. Et le plus pâle, c'est le Light Gray 564. Fait qu'on va prendre le plus foncé, qui est le Warm Gray 566. Et on va le mettre où est-ce qu'on veut dans la zone. Fait que, autour de la croix. Comme ça. Parce que je veux que ça soit comme si la croix, il ressort en 3D, comme. Et je veux qu'il y ait une légère ombre, puisque l'ombrage tomberait pour montrer que c'est pas plat. On fait comme ça. Et comme ça. Descend les deux côtés. Comme ça. Oui. Parfait. Fait que voilà. Là, on va prendre l'autre, le milieu crayon, la couleur la plus prochaine. C'est 565 Silver Gray. Et on va continuer ces ombrages-là, sur l'extérieur. On va faire ça comme ça. Voilà. Et on prend la plupart. On va tout faire le contour. Avec le 564 Light Gray. On va partout avec ça. Y compris le croix dans le milieu, fait que tu peux passer par-dessus. On va revenir sur ça après. Fait que dans le fond, on remplit toute la pierre jusqu'à ici. Mais là, ça, c'est juste pour te montrer qu'est-ce que j'ai l'intention de faire. Comme ça. Mais là, on va prendre le foncé parce que je vais te montrer le Warm Gray 566. Puis je vais faire tout le rebord. Comme ça. Avec les couleurs foncées aussi. Parce que je veux comme si c'est cru dans la pierre. Ça là. Fait qu'on va faire tout le rebord. Comme ça. Comme je vous montre. Tout le rebord.
J'essaie de bouger sans tout bouger. Pour me placer mieux pour faire les rebords. Là, on va prendre la couleur du milieu, le 565 Silver Gray, puis on va continuer. Qu'est-ce qu'on vient de contourner pour extensionner les ombrages encore? Voilà. Comme ça. OK. Là, c'est sûr qu'on va remplir ça avec la plupart, tu sais, le 564. On continue, tu sais, puis on fait partout. Au complet. Mais ça va être fait à l'extérieur quand je ne vais être pas sur la caméra. Je vais juste vous parler de les ombrages et comment qu'on va faire pour ça. Comme là, entre ces boucles, ici, ça serait foncé. Fait que ça serait le foncé. Ça aussi, ça serait foncé. Ici. En arrière, ici, comme ça. Ici. Ici. Et en dessous, ici, tu sais, on voit que ça descend. Fait que ça serait foncé. Ça, ici. Tout ça ici. J'ai fait grosso modo parce que je vais repasser dessus avec la couleur de milieu. Mais on s'entend, tout ça serait foncé parce que ça descendrait. Ça ici, c'est une fleur, mais ici, ça c'est une petite fleur. Mais le reste, c'est tout du pierre, on s'entend. Tu vois même pas, désolé. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli les ombrages de la pierre. Là, on va venir à côté, on va faire celui-là. Toutes les pierres vont être du même couleur. On ne se niaiserait pas. Mais là, avant, je vais juste venir avec le milieu, la couleur de milieu médium, dans le fond. 565 Silver Gray. Juste pour te montrer que on va le re-remplir ou ce que j'ai passé avec le plus foncé. Que ce serait vraiment ombré en bas. Fait qu'on va repasser partout où j'ai mis ça pour être sûr. Là, on va repasser avec le plus foncé, le Warm Gray 566. Et on va faire la même chose avec cette pierre-là. On va mettre où ce qu'il y aurait les ombrages. On va mettre la couleur. Voilà. Ici, juste sur le en dessous de l'étrou, comme ça. Ici, comme ça. Voilà. On prend la couleur médium, moyenne, non pas. Attends, je reviens avec ça. On prend la couleur médium, puis on extensionne les ombrages légèrement. Là, comme ça. C'est ma grosse pierre à l'air à feu, mais il va avoir l'air beau, mais qui est tout fini, tu vas voir. On prend le light gray 564, puis on remplit. Puis on va remplir toute cette pierre-là au complet. Comme ça. Et voilà, on va remplir toute la pierre avec ça. Là, l'autre pierre, parce qu'il y a quand même une troisième. Je vais te rapprocher. Je te mets sur mon livre. OK. Donc là, on prend, oups, le plus foncé, le Warm Gray 566, et on fait les ombrages comme avec les autres. OK. On descend les ombrages. Où est-ce qu'il serait? Voilà. Et plus haut. OK. Comme ça. Comme ça. Vers le bas. Comme
Comme ça. OK. On prend les couleurs de milieu, puis on retrace nos ombrages, bien sûr, comme avec les autres. Regarde, OK. Je ne veux pas que ça refait comme tout à l'heure, parce que tu n'étais pas dans la caméra, là. Puis on retrace les ombrages. Là. Je viens de voir, il manque ça. Faut que je vais le remplir tantôt. Et là, on prend la couleur la plus pâle, le 564, et on remplit. Voilà. Comme ça. Et on remplit tout ça. Fait que moi, je vais aller finir les pierres, puis je te reviens. Ça va être pas long. Voilà. J'ai oublié de mentionner qu'on va faire de l'ombre ici sur les rebords. Les deux rebords. Et complètement en arrière, puisque sa tête laisserait une ombre avec les deux couleurs plus foncées. Fait que j'aime mieux le mentionner avant que je le fasse pour pas l'oublier de mentionner tantôt. Fait que je vais aller complètement finir ça, puis je te reviens. OK. Quasiment fini les pierres. Je veux juste revenir sur une chose. Je prends la couleur la plus foncée, la Warm Gray 566, et je vais faire juste un contour au complet, doucement, de la croix à l'intérieur. Pour donner, je trouvais qu'il y avait l'air trop plat, puis je veux la pas. Mais je prendrai pas la couleur de milieu à rien, c'est vraiment juste pour exténuer, c'est faire paraître plus gros les lignes comme. Fait que voilà, comme ça. Juste ça. Fait que je te reviens avec les prochaines couleurs. OK. Les pierres sont finies. Je te montre. Ensuite, on va faire les petits menus. Il y en a trois. Je montre. Un, deux, trois. On va faire lui. Fait que je t'approche de la timène. OK, voilà. Pas parfait, mais ça va pas la faire. OK. Les couleurs qu'on va prendre, c'est là. Je vais les sortir. 570 black. Le. Ouch. 569 slate gray. Et le plus pâle va être notre foncé de tout à l'heure, le warm gray 566. Donc, on va commencer avec le noir, le black. Puis, on va faire tout l'ombrage. Comme avec toutes les autres étapes. Donc là, on va faire tout l'ombrage. Où est-ce qu'on veut qu'il soit? Où est-ce qu'on sait qu'il serait? Voilà. Tout ici, à côté de sa face. Et en bas, évidemment. Ouais, je dis évidemment, mais des fois, j'oublie, OK? Fait que c'est plus pour moi que je dis ça. C'est ça. Ça. Ensuite, son menton. Le timène en dessous, son manteau, hein. Sous son petit nez. Sous ses petits yeux. Comme ça. Ça, t'en sous ses fesses. Tout enroulé. Et là, on va prendre le 569 Slate Gray. Puis, on va agrandir nos ombrages. Comme ça. Partout, on va faire ça. Ses petits yeux. Celui-là, on va faire les petites choses-là. Voilà. Et on va prendre le Warm Gray, puis on va tout le remplir. Voilà. On l'a rempli au complet, le petit mine. Compris, c'est. En évitant son petit nez, puis les petits triangles dans ses oreilles.
On la remplit doucement, on la remplit comme fort. Je veux qu'il soit comme un gris foncé, pas nécessairement noir, là, parce que j'ai mes heures à faire du noir. Fait que les petites gris foncées, comme dans l'original cimetière là, de Stephen King, le film. Le chat a été gris. On va faire comme ça. Le style de France, c'est que je vais mettre du stylo gel dans le nez. Ça, même si j'ai rempli le nez, on va mettre du stylo gel dedans. Puis, ça va rendre ça super cute. Je vais te montrer tantôt. On va faire des petites touches de stylo gel. Donc voilà, ça c'est ce menu-là. Là, on va faire le timène juste en haut. Les deux vont être faites pareil. Donc, on va prendre la couleur la plus foncée qui est le Black 570. On va mettre ça là. Et on va faire la même chose. On remplit les ombres. Où est-ce qu'on sait qu'ils devraient être? La seule place, on va éviter ici parce qu'on ne mettra pas de noir. Ça va être juste les deux gris. Pour différencier quand même. Mais si tu veux qu'il soit tout gris foncé, tu peux mettre le gris là. C'est comme tu veux. C'est ton colo. Tu fais qu'est-ce que tu veux. Là, je vais aller avec le Slate Gray 569. Tu vas mettre son ombre là. Et exténuer les autres ombres qu'on vient de faire avec le noir. Voilà. Voilà. Au timide, hein, dans un cimetière, soit avec sa maîtresse. Il doit se dire, oh, qu'est-ce que je fais là, à cette heure-là? On va prendre le plus pâle, le Warm Gray 566, puis on va le remplir, y compris ici. Je ne sais pas s'ils vont faire assez de différence. Ouais, je pense que je vais prendre un petit peu de blanc, mettre ça là, on va voir. Qu'est-ce que ça va donner? Si ça va donner de quoi? On va voir. Ah oui, ça donne un petit peu plus gris, mais c'est négligeable. Faut que tu décideras si tu veux mettre le blanc ou non. Ça, c'est ton choix. Moi, je pense que sur le dernier menu, je le mettrai pas. Je trouve que ça change pas assez. Je vais aller continuer les menus. Je vais finir lui, puis l'autre menu, hors caméra, puis je te reviens quand c'est fini. Me voilà de retour. Les 3 minutes sont faites. Là, on va faire le gazon. Pour le gazon, je vais juste faire un petit bout parce que là, on va, tu sais, on fait, remplira pas la moitié de la page, là. J'ai comme foncé le Moss Green 548 et comme pâle le Olive Green 544. Donc, on va commencer avec le Moss Green. Puis, on va juste faire des petites lignes où ce qu'il devrait avoir de l'ombrage. Comment sous ses bras? C'est parce qu'on sait qu'il est à côté sur le gazon, hein, sous sa main. C'est vraiment où est-ce que, en dessous les fleurs? Où est-ce qu'on sait qu'il va avoir de l'ombrage sur le gazon? Derrière les chandelles. Sous ses fesses ici, là, tu sais. On va essayer de sortir un petit peu plus sur ce qui est assis. En arrière-chandelle. Fait que là, on va prendre le olive green et on va revenir remplir. Mais là, j'ai pas fini mon ombrage. Je suis pressé, là. Suis pressé, mais je suis pas pressé, tu sais. Là, on va prendre l'olive green puis on va repasser sur ça. Je t'ai même pas approché, on va te rapprocher quand même. Désolé. Puis là, on va juste remplir ça. Comme ça. Et je vais aller faire tout le gazon. Je te reviens. On va faire des petits tombes en dessous les chandelles et ça, en dessous les minots. Je te reviens. Un coup, c'est fini.
suis de retour, je suis de côté, je sais. Je vais juste montrer quelque chose parce qu'ici, je vais montrer qu'est-ce que je vais faire quand j'arrive au bout. Je vais juste aller de plus en plus doux avec ma crayon pour faire comme si ça disparaisse dans la brume, le gazon. Et tu sais, on n'est pas obligé de remplir la page au complet, tu sais. C'est juste pour donner une illusion qu'il y a du gazon ou ce qui continue. Donc, on va doucement, juste pour diminuer, tu vois, si je te remonte en rond normal, vous voyez, ça va continuer, mais en même temps, on sait que ça disparaisse. Fait que ça fait comme si ça disparaisse dans la brume. Puis on aura colorié tout le gazon. Fait que je vais aller finir ça, puis je te montre ça quand une fois fini. OK, me voilà, le gazon est fait au complet. C'est juste ça que je vais faire. Le ciel, je ne suis pas encore décidé. Je pense que je vais juste prendre une couleur foncée. Je vais faire la même chose un petit peu. Là, je vais revenir avec les couleurs que je vais prendre pour les chandelles. Me voilà, de retour. Les couleurs pour les chandelles, c'est là que je vais te rapprocher. Pour la partie C, c'est le marron, maroon 562. Le Claret 525 et le Geranium Red 511. On va prendre le plus pensé qui est le Maroon 562. Et on va faire la même chose, nos ombrages. Je vais en faire une avec vous autres, puis je vais aller faire le reste hors caméra. Les flaques de cire, c'est la même chose. Ça va être les mêmes couleurs. On va juste mettre les ombrages de la même façon. Parce qu'il va y avoir du ombrage jusqu'à la cire, ils s'empilent l'un par-dessus l'autre. Comme ça. Je ne ferai pas la flaque au complet, je vais juste faire un bout. Là, on va prendre la deuxième couleur, le 525 Claret. Puis on va extensionner les ombrages, les rendre plus gros. Plus substantiel, si tu veux. Comme ça. Comme ça. Ça. Là, on va faire une petite ligne avec celui-là en arrière. Et en bas ici. Juste un petit peu. Là, on va prendre la couleur la plus pâle, puis on remplit. Qui est le 511 d'uranium. Et on remplit. Si tu trouves ton ombrage pas assez foncé, comme je trouve légèrement ici, t'es pas assez foncé, je vais retourner avec le maroon, puis je vais revenir en remettre un peu. Pas juste pour le dire que, OK, c'est plus foncé. C'est à mon goût, là. N'oublie pas, c'est ton colo, tu décides comment tu veux que ça soit. C'est vraiment ton option. Qu'est-ce que tu veux? N'oublie pas, moi je te montre, mais qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que moi je fais? Mais ça ne dit pas c'est qu'est-ce que toi tu veux faire. Donc là, on recommence avec le plus foncé. La même chose. Les ombrages. Avec le maroon 562 pour l'ombrage. Ensuite, chandelle ici. Ensuite, la deuxième trace de cire. On prend la deuxième couleur, le Claret 525. On met ça au rebord, ici. On élargit l'ombrage qu'on a mis. Et on prend le plus clair, puis on remplit le tout. Le 511 Geranium Red. Je vais aller finir ça hors caméra, je te reviens. OK,
Me revoilà de retour. Les chandelles sont faites. Là, on va faire les flammes. Le tangerine avec le foncé, c'est le tangerine 507. Et le plus pâle, chrome yellow 511. Mais avant, je vais juste prendre un petit stylo, fine liner, n'importe quoi noir, puis remplir les mèches. Ici. Parfait. Comme ça, pas plus que ça. Là, je vais prendre le tangerine de 507 et je vais remplir lui dans le milieu et juste aller un petit peu autour. Milieu, un petit peu autour, comme ça. Encore le milieu, un petit peu autour du milieu. Là, on va prendre la dernière couleur, le 505 Chrome Yellow. Puis on va remplir la chandelle. On met la flamme dans le fond. Et on va essayer d'y aller un petit peu autour. Par-dessus, qu'est-ce qu'on a colorié? Ça va être pas parfait, là. Mais c'est juste pour dire que la chandelle, il passe. La lumière va. Autour. Dans un rond. C'est pas parfait, parfait. Mais ça donne une illusion un petit peu. Que la lumière, c'est clair. On voit que ça a changé légèrement les couleurs qu'on a mis. Pas assez pour dire que, oh my god, c'est complètement changé si t'as pas mis les bonnes ombrages, mais juste un petit peu pour dire, OK, il y a du lumière. Là, avec ça fini, là, on va attaquer le ciel. J'ai décidé, je vais prendre le prochain bleu. Et je vais faire un petit peu avec toi parce que je ne veux pas faire beaucoup de ciel. Tu sais, je vais commencer. On va faire ce côté-ci, ça va être plus facile. Je vais faire un petit peu en arrière. Très léger. Je ne veux pas peser. Je veux juste dire qu'il y a du bleu foncé un petit peu. Il va autour, dans le milieu ici, parce que c'est quand même. La nuit en arrière. Puis, le rebord, je veux que tu vois comment que je vais faire. C'est la même chose qu'avec le gazon. Tu sais, on fait le bleu, puis quand on arrive sur les bords, on va aller en diminuant comme ça. Juste pour dire qu'on frotte le papier. Je tiens mon crayon loin pour pas mettre trop de pression. Je veux juste vraiment aller. C'est pas grave si on voit une graine de papier. C'est juste pour dire qu'il y a un ciel. J'ai vraiment besoin de me procurer des pastels secs avec des noms dessus pour qu'on puisse faire ça à pastel sec, là, mais je me dis, si t'as pas de pastel, ça fait un ciel quand même foncé. On va peut-être prendre le noir aussi, le 570. Et en mêler légèrement un peu de noir dedans. Comme ça, juste pour dire que c'est pas aussi bleu que ça prétend. C'est vraiment juste léger, juste pour comme mêler un petit peu avec le bleu. Et on veut que ce soit quand même un ciel de soir. Fait que je vais aller faire tous les ciels de même, puis je te reviens. OK. Me voilà. Ça a l'air comme sketchy le fond, j'aime ça, c'est juste différent. Là, on va prendre les stylos gel pour compléter. On va prendre un petit rose qu'on peut trouver, toujours dans les stylos gel artwork. On va prendre un rose. On va essayer de faire de l'espace, parce que je suis toute tassée. J'ai plein de stock. Je te rapproche. Rapprocher encore un petit peu. Voilà. On va aller sur les oreilles des mignons. Non, moi j'ai misère avec mes affaires à l'actuelle, là. Je sais pas pourquoi ça veut pas marcher comme il faut. Fait qu'on va essayer le mieux. On va faire le petit nain du mignon plus les petits oreilles comme ça. Il y a
toutes les 10 minutes. Comme je te dis, mes heures avec mes heures à faire. OK. Oui, reste où ce que t'es supposé de rester. Tu veux pas rester debout. Il veut tomber. Ouais, c'est comme ça. OK. On va mettre cette minute-là. Et son dîner. Oups. Et je te dis, là, cette lumière-là, là, je le mets pour pas d'ombrage, mais Caroline qui veut pas garder la lumière debout. Le tinin. Ça, voilà. On va faire les petites fleurs en couleur plus foncée, comme un rouge, le plus rouge qu'on peut. Parce qu'on s'entend-tu les stylos gel, le rouge, je dirais pas leur fort. Okay, on va aller de mieux qu'on peut. J'ai choisi celle-là. Ouais, on va faire toutes les fleurs, y compris celles dans ses cheveux, avec ça. Comme ça. Est-ce que j'ai pas assez perdu aussi? Je couvre le dessus milieu parce qu'il est pas assez gros pour faire un changement. Ben. Toutes ces fleurs, y compris celle-là. Dans ses cheveux, même s'ils sont gros, on les fait. Fait que je vais aller faire toutes les fleurs, puis je te reviens. OK, toutes les fleurs sont faites. Là, on va prendre du vert, puis on va faire les petites feuilles ici. Comme ça. C'est peut-être une attache de ruban, mais je voulais le faire vert. Et celui-là, ici. Voilà. Puis le reste, ça va être doré. Donc on va faire les petites choses dans les fleurs, ici, ici, ici doré, et son petit ruban en haut. Tout ça va être doré. Ses yeux vont être le vert encore. Remplir avec le vert. Moi, j'aime ça. Pas ça qu'il n'y a pas de pupille. Fait que je vais prendre mon crayon noir, puis je vais faire une pupille dans chaque œil. Mais ça me semble mieux de même, je sais pas. Ou pire, je sais pas trop, mais moi, j'aime mieux ça. Oups! J'aime mieux ça. Fait que là, on va remplir son bande de cheveux avec le doré. Les petites traces dans ses cheveux ici. Petit bout du fleur là. Et tout ce qui reste sur sa robe en doré aussi. C'est les dernières touches de notre colo de Amazon Basic, crayon budget. Tant que je le finis, j'espère que vous autres aussi t'as amusé et que tu l'as fait. Si tu l'as fait, partage dans mon groupe Facebook. J'aimerais voir. Chez le fond, c'est pas mon meilleur. Je vais essayer de regarder. J'ai mis les pastels secs OU sur ma liste de souhaits. Je vais essayer de m'en procurer. Comme ça, on peut faire des fonds à pastels secs. Ça sera vraiment le fun. Moi, mes pastels secs sont tous causés. Il y a un ami qui est venu, puis il a fouillé dans mes affaires. Il a ramassé, puis il a échappé. Puis moi, tu m'as dit qu'il ne comprend pas qu'est-ce qu'il faisait. Mais regarde, pas grave. Fait que voilà, on va éloigner, regarder ça, puis avoir nos dernières pensées sur comment qu'on a trouvé ces crayons-là. On va mettre un petit peu de vodka blanc. Comme je te dis déjà dans le passé, si t'as pas de... Ça paraît pas bien, bien, mais... Si t'as pas de vodka, prends un cure-dent avec du peinture acrylique. Ça paraît même pas, fait que je vais arrêter ça. Je peux mettre des étoiles. Donc voilà, on va descendre, puis on voit la petite madame, parce que ça, c'est la partie plus intéressante. On va éloigner un petit peu. Donc voilà. Ça, c'est notre colo avec les Amazon Basic. Vernuancier, quand même. Mes pensées sur ces crayons-là. Quand même gras. Mais pour des grandes surfaces, ça fait mal aux mains. J'aurais pu faire le fond
Avec pas de blanc, mais j'ai choisi, c'était un choix parce que, bien franchement, je l'aurais pas faite avec ma main au complet parce que ça aurait été trop dur. Est-ce que je vais les essayer sur notre papier? Oui. Parce que je suis pas sûre, Amazon, le papier Amazon, c'est les meilleurs pour les Amazon Basic. Donc, regarde pour cette vidéo-là dans le futur. Je sais pas quand, parce que j'ai d'autres crayons budget, j'aimerais essayer. Fait que, si tu as, puis tu les aimes ou tu les aimes pas, laisse-moi savoir dans les commentaires. Je serais bien curieux de voir qu'est-ce que t'en penses de ça. Puis là-dessus, moi, je te dis merci à mes abonnés nouveaux et anciens. Hâte d'entendre qu'est-ce que t'as pensé de ça. Laisse-moi un emoji de quelque chose, un fleur, mettons. Ou un chandail, tiens. Pour montrer que t'as écouté jusqu'à la fin. Si ça vous intéresse, laisse-moi savoir si tu veux en voir d'autres. Si oui, ça va me faire plaisir d'en faire d'autres. Sinon, mais on trouverait d'autres choses à faire avec ces crayons-là. C'est pas grave. Donc là, moi, je te dis merci beaucoup à tous mes abonnés, anciennes et nouvelles. Et pour ceux qui l'ont regardé, qui aiment qu'est-ce qu'ils ont vu, mais ils ne sont pas abonnés, pensez-y, c'est gratuit et ça montre que t'aimes qu'est-ce que je fais. Et oublie pas, j'ai un groupe Facebook où ce qu'on peut partager nos colos. Ou juste venir jaser avec d'autres personnes dans la communauté de coloriage. Donc là-dessus, moi, je te dis bye bye à la prochaine vidéo.